TV, mouton TV. Allez, ta gueule, ouais. Mouton coton, bref, ta gueule, j'ai une outre à faire. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotensei, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Ouais, t'as eu tu monnaie, c'est Mousson. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, parce qu'on va discuter ensemble tranquille, vu que j'ai une vie passionnante et j'aime bien la partager. Ouais. Bon, aujourd'hui, le thème, ça va être les transports en commun. On va pas se mentir, hein, pour tous ceux qui les ont côtoyés, on sait très bien que c'est de la merde. Mais bon, des fois, on n'a pas trop le choix, donc on le fait et on ferme sa gueule. Voilà. Je pense en France, c'est le plus connu, ça va être la RATP. Mais nous, à Lyon, on n'est pas resté en reste, on a les TCL, mon pote. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager des petites anecdotes avec vous, dont j'ai été victime dans le métro ou dans le bus. D'ailleurs, je vais dédicacer tous les frérots du métro D. Et ouais, on est ensemble, mon pote. Sans plus attendre, on passe à la première anecdote. J'étais dans le métro D, tranquille. Je pense comme 90% des Français, tu rentres dans le métro, tu te cales au fond du wagon, tu mets tes écouteurs et tu connais personne. Et dans les oreilles, il y avait le 113, tonton du bled qui résonna à fond. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Et j'étais assis à côté d'un pélo qui me regardait chelou au départ. Moi, je comprenais pas. Et il était en train de s'ambiancer sur la zik qu'il y avait dans mes écouteurs. Donc là, il est en train de me dire, frère, t'es un bon, toi t'écoutes que du rap à l'ancienne. Le 113, tu connais, nanani, nanana. On commence à sympathiser ensemble. On commence à parler un peu de ce qu'il écoute, de ce que j'écoute. Pendant 2-3 arrêts, on parle, on rigole et tout, pas de soucis. Hein. Moi, je le connaissais pas il y a 3 minutes, ce pélo, hein, je vous préviens. Et au fur et à mesure de la discussion, le pélo commence à prendre la confiance un peu. Il commence à se confier un peu sur sa vie, etc. Et d'un coup, il y a une femme qui rentre dans le métro D. Pour faire la manche. Je crois elle est très connue à Lyon, c'était la femme araignée là, vous voyez? La roumaine qui vient demander un peu d'argent, bon elle a le droit, hein, y a pas de souci avec ça. Hein. Et elle rentre dans le wagon justement pour demander de l'argent à tout le monde. Et là t'as le pélo à côté de moi, il commence à changer de visage, à la regarder d'un air cher méprisant, et il commence à l'insulter sa grand-mère. J'étais choqué, il commence à me dire, regarde ces gens sales, ces gens-là qui sont en train de gratter de l'argent toute la journée, mais c'est quoi ces gens? Et à gueuler, hein, il commence à m'afficher un peu parce que moi j'étais assimilé à lui vu que j'étais en train de rigoler avec lui il y a 2 minutes. Et là il commence pareil, à sortir des grosses phrases Rasslard sur les Français. Ouais, les Français ils sont comme si. Ouais, ils savent pas gérer un pays. Ouais, c'est quoi ces Français qui disent rien, qui font rien? Oh, j'étais choqué, mon pote. Je vous préviens, je me désolidarise du discours. Là, je suis juste en train de vous répéter ce que j'ai vécu. Hein. Et moi, j'étais gêné. Je voyais tous ceux du wagon, ils étaient en train de chaber le pélo qui sortait des grosses phrases racistes. Ils me regardaient aussi en mode je suis son pote, je le connais. Et je les voyais, hein, les regards en mode regardez-le là-bas. Lui, il est complice, les deux ils sont potes. Alors que moi, j'avais rien à voir. Je commence à lui dire, frère, arrête d'abuser, ils y sont pour rien, y a des choses qui arrivent, et que je sache, toi aussi t'es français, moi aussi je suis français. J'ai essayé de le calmer un peu, mais plus je le calmais, plus il partait en couille. Ça veut dire qu'il commence à me dire, non, 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 moi je suis pas français. Laisse-moi tranquille, je suis pas français, nanani, c'est quoi ce pays, et tout, et tout. Bref, je commence à me désolidariser, à m'écarter un peu, je me dis, oula, il y a problème, là. Et je voyais encore les regards méprisants, j'étais choqué. Bref, j'ai essayé de le calmer, j'ai pas réussi, je suis passé pour un raciste auprès de tout un wagon, alors que j'avais rien à voir, c'est quoi cette vie, mon pote? Sans transition, on passe à la suite. Faut dire qu'avec toutes ces années de pratique des transports en commun, j'avais développé une petite technique sympa. D'habitude, je me calais dans le métro, et à chaque fois que je voyais une personne âgée ou une personne à mobilité réduite, obligé de me lever pour lui laisser ma place. Sauf que ça me saoulait aussi un peu, donc je me suis dit, je vais pas faire de détails, je vais plus m'asseoir dans les transports, je vais laisser directement les personnes concernées s'installer et avoir des places libres. Donc j'avais trouvé ma petite place dans le métro, et je me mettais près des portes, à dos, face au siège, pour avoir une petite assise quand même, et être tranquille. D'un coup, il y a un pélo à l'arrêt sans souci, pour ceux qui connaissent, il monte et il était complètement rond, il tenait pas debout, il bégayait, il était cher bizarre. Et moi je le vois, bien calé dans mon coin, et je me dis, bon ça se fait pas, je vais le mettre à ma place, comme ça il est calé dans un coin, il risque pas de tomber et tout, je vais lui laisser ma place. Et là je me mets juste en face de lui, et pareil il me regarde chelou, il commence à bégayer des choses bizarres dans sa barbe, mais j'entends un merci dans le tas. Donc moi normal, je lui dis, ouais tranquille frérot et tout, reste calé, au moins tu vas pas tomber. Il commence à me regarder bizarre pendant 2-3 arrêts. Et là il me dit, mais merci mon frère, des gens comme ça, bah vous voyez, hein, vous connaissez les gens qui sont ronds, hein. Des gens comme ça, il y en a plus aujourd'hui, nanani, nanana, il commence à s'exprimer, à raconter toute sa vie. Je lui dis de rien frérot, c'est normal, casse pas ta tête et tout et tout. On arrive à l'arrêt Guillotière, le pélo il descend à cet arrêt là. Et je vois il s'approche de moi, oh j'étais choqué, hein. Il a tenté de m'embrasser. Mais c'est pas la bise que tu fais un sahab, hein. Il a tenté de m'embrasser. Moi réflexe je le pousse violemment un peu, ouais, il était rond, il a risqué de tomber, mais je m'en pète un rein un moment. Et je me retourne, le wagon il était blindé, tout le monde me regardant en mode, ah le petit couple qui se dit au revoir et tout.
Je me sentais super mal. Et bref, donc moi dans ces moments-là, je suis obligé de m'afficher pour que les gens ils savent que j'avais rien à voir avec cette histoire et que je suis pas gay. Petite parenthèse, hein, j'ai rien contre les gays, y a pas de souci. Donc moi je m'énerve, le pélo je le prends par sa veste et je lui dis oh frérot tu fais quoi là depuis tout à l'heure. Il me dit oh frérot je pensais que t'étais mon cousin Ryan et tout. Il me sort une phrase comme ça. Déjà je vais pas te mentir, il doit se passer des trucs chelous dans sa famille parce que ouais tu lui fais quoi ton cousin Ryan frère. Et moi je lui réponds oh pélo reste tranquille, je suis ni ton cousin Ryan, je suis ni ton pote, moi je te frappe normal, je lui dis. Et là je le pousse du wagon, il descend et la petite chute c'est qu'il s'est gamelle. Ça c'était cher drôle par contre. Il s'est mangé. Bref c'était la fin de l'histoire. Encore une fois je me suis hachem dans tout le wagon. Tout le monde pensait que j'étais en couple avec ce pélo, alors que pas du tout. Pour cette dernière anecdote, je vais vous raconter un truc où j'ai fait un peu le gangster, tu vois, et j'étais cher fier de moi. La chute est bien, le reste de l'histoire faut quand même suivre pour comprendre. Alors faut savoir que je travaillais très loin, je travaillais à Perrache, même après Perrache, vers Confluence pour ceux qui connaissent. Et donc le matin, j'avais quoi à prendre? Le bus, le métro, et j'avais un tram. Déjà je passais 1h30 dans les transports, ça c'est pas humain, je comprends pas. Frère, je suis de Lyon, je passe 1h30 dans les transports. Je passe autant de temps que je mets pour aller à Annaba en avion, c'est quoi ce délire? Et il faut savoir que sur ce trajet, ça me saoulait parce que tu te faisais contrôler au moins 4 fois. Je me faisais contrôler à la sortie du bus, je me faisais contrôler à la sortie du métro, je me faisais contrôler à la sortie aussi du tram. Bon, ça fait 3 fois, je sais pas compter, on est d'accord. Tu connais toi, quand t'es dans les transports et que t'es en jean, t'as mis ta carte TCL dans ton jean et qu'à chaque fois qu'on vient de te contrôler, tu galères une demi-heure pour la sortir. Ça, tu connais ça. Mais quand ça t'arrive 3 fois, frère, normal, la pression elle monte un peu. Donc je me fais contrôler une fois à Gare de Vénissieux, pas de soucis, je donne ma carte, y'a pas de problème. Deuxième fois à Perrache, je me dis putain, quelle toupée, ça fait quand même 2 fois, ça commence à faire beaucoup, hein. Sauf qu'après, j'ai pris le T1 à Perrache, mais j'ai pas tamponné ma carte. Je sais pas si on dit tamponné, mais c'est pareil, j'ai pas validé ma carte sur la machine. J'arrive à mon arrêt, à Confluence, je descends et y'a encore les contrôleurs. Pareil, j'avais encore mes écouteurs avec la zik à fond, donc j'entendais rien de ce qui se passait autour. Le pélo, il me demande ma carte. Et moi, je galère encore une fois 10 ans pour lui donner. Et ça sort tout seul, je savais pas qu'il m'entendait, hein. Mais je dis putain, il casse les couilles, ces contrôleurs. Et je leur donne. Je lui donne énervé, tu vois. Et là, il regarde, il voit que j'ai pas validé ma carte. Et il me dit, il commence à faire cher le beau. Ouais, vous savez, là, vous êtes en train de dire que je vous saoule. Mais là, je peux vous mettre une amende parce que vous avez pas validé. Nanani, nanana. Il commence à m'angoisser. Et moi, je fais quoi? Technique que je vous conseille à tous, hein. Frère, tu gardes ton sang-froid. Tu lui reprends gentiment la carte de la main, mais pas de manière agressive. Hein, il va même pas s'en rendre compte. Je lui ai pris la carte des mains, je l'ai validée devant sa gueule. Hein. Je lui ai dit, bah écoute frère, mets-moi une amende. Je suis en règle maintenant. Bref, il savait plus quoi dire. Il a fermé sa gueule et je me suis barré. Il pouvait pas me mettre d'amende. Eh ouais mon pote, je suis trop loin. Eh ouais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aussi des petites anecdotes à partager en commentaire, n'hésitez pas. Moi je vous prépare une nouvelle vidéo si vous aimez ça. J'ai encore plein d'anecdotes à raconter, que ce soit dans le métro, dans ma vie, avec mon frère, sur un éléphant, je sais pas quoi, il y en a plein mon pote. Donc je t'invite si t'as aimé à t'abonner, à partager, à activer la cloche, à liker, à écrire mon nom sur les murs, à insulter la mère des gens qui sont pas abonnés, comme tu veux frérot. Tu me rejoins sur les réseaux sociaux comme d'hab. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV.